Bienvenue au ski show. Bienvenue. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au ski show épisode 3. Boris, il a neigé toute la nuit, il neige encore aujourd'hui. De quoi on parle? Donc aujourd'hui on va parler de la poudreuse. Comment est-ce qu'il y a dans la poudreuse, dans la neige folle, puis avoir du fun dans cette journée. Dans cette journée. Yes sir, la poudreuse. Le ski show remercie ses partenaires. Le Mont Blanc. Daniel Lachance, ski service. Allô Pierre? Oui, c'est, j'appelle pour... J'étais un petit peu malade aujourd'hui et puis... je suis pas vraiment bien. Boris est en train d'appeler son patron pour caler malade. C'est quand il y a de la neige comme ça puis il y a de la poudreuse, la seule chose que vous pouvez faire, c'est venir en ski profiter des belles conditions. Ça arrive pas souvent, on en profite. Oh my God! Fais frette, mes amis, fais frette! Je t'ai vu tomber tantôt, ça aurait-tu rapport à ton matériel, mettons tes skis? Je pense que oui, effectivement, mes skis sont un petit peu trop étroits, un petit peu trop minces, et pas assez légers. Donc je suis vraiment enfoncé dans la neige, donc je pense que là, je vais aller rentrer à l'intérieur pour aller chercher une paire adéquate pour profiter, ou bien profiter de la journée qui s'en vient. Voyez-vous ici, j'ai des skis un peu plus larges, un peu plus légers, parfait pour cette belle journée. Permettre de flotter, rester un peu plus haut sur la neige, pas calé comme tout à l'heure je l'ai fait. Il existe plusieurs sortes de casques, il y en a qui sont faits pour le ski alpin et d'autres un peu moins. On est plus ici en mode course automobile, mais c'est un peu fort l'affaire là. Papier, panier, piano. Papier, panier, piano. Boris, t'as changé tes skis, ça c'est parfait. Maintenant, question, si je te dis papier, panier, piano, celui du centre, le panier. Le fameux basket. Voyez-vous, un petit basket comme ça ici va s'enfoncer dans la neige. Contrairement à lui, qui lui, va être beaucoup plus adéquat pour des conditions de poudreuse, donc accumulation de neige, ça va être idéal. Boris? Bon à rien. Eux, on va les garder par exemple. Elle? Non. Et voilà, terminé. Répète après moi, Boris. Papier, panier, piano. Papier, panier, piano. Parfait. Encore? Papier, piano. Écœurant. Tu fais des progrès. Fou. Un autre petit truc que j'ai à vous donner. Quand il y a accumulation de neige, quand il y a de la poudreuse, premièrement, bon, on le sait, on arrête le travail, l'école, tout ça, on oublie ça. Mais il faut arriver de bonne heure. Pourquoi, Boris, est-ce que c'est important d'arriver tôt le matin? Parce que quand on arrive tôt le matin, les pistes ne sont pas skiées. La neige est folle, toute blanche, il n'y a aucune trace. Donc, c'est parfait. On a du plaisir là-dedans. On enjoy. Donc Étienne, mais si on arrive tard, qu'est-ce qu'on fait? Le petit truc qu'on vous donne, skier les rebords de piste. Habituellement, monsieur, madame, tout le monde ne connaît pas ce truc-là. Là, je vous le donne, c'est entre vous et moi. On essaie de petit rebord de piste écœurant. Poudreuse, maintenant. C'est là que ça se passe. Prête, mon chum? C'est pas tant une piste, ça. Ils haïssent ces plantes-là, man. Tu sais, les petits pics. C'est là-bas, Boris, le terrain skiable. On va vous donner quelques petits trucs pour skier dans la poudreuse. Donc, comme premier truc, Étienne, ça serait quoi? Le commun des mortels pense tout le temps qu'en condition de poudreuse, il faut skier vers l'arrière, donc être un peu backseat, comme on dit dans le jargon. Mais non, complètement faux, il faut rester centré pour nous aider à garder un certain contrôle sur nos skis et pouvoir tourner où on veut, quand on veut. Et bien profiter de nos virages. Oui, toujours. Toujours avoir des bons virages. Ça là, bon virage, hein? Bon virage, Boris. Bon virage. Bon virage. Bon virage. Yeah! Non, l'autre côté. Étienne, 24 ans, toujours cascadeur. Boris, le deuxième truc qu'on aurait à donner aux téléspectateurs serait... Donc lorsqu'il y a accumulation de neige, profitez des sous-bois. Ils sont parfaits pour ça, c'est très le fun. Mais attention aux arbres! Ouais, ça arrête sec. On va le faire? Bon sous-bois, allez!
Chris. Oui. Un autre de nos nouveautés, mis à part le fait qu'on revient saison 2 et tout, là, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Posez-nous vos questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Mais on est deux professionnels. Mais oui. Des connaisseurs de ski alpin. On est là. D'ailleurs, on a eu une question de Joanne de la Valtrie qui demande « Est-ce qu'il y a du ski à la Valtrie? » Non. Pas sûr. Non. Mais on est... non. Mais, donc, c'est ça. N'hésitez pas. Plein de questions, on va y répondre. On est là, des connaisseurs. Merci, Phil. Bienvenue. Hey, n'importe quand. N'importe quand. Oh, la poudreuse! Étienne, truc numéro 3, ce serait? Très simple. Pour vous assurer de maximiser vos virages et d'avoir une facilité, quand il est temps de changer de virage, assurez-vous que vos skis sortent de la neige pour pouvoir changer de côté. Si vous commencez à tourner vos skis quand les skis sont enfoncés dans la neige, ça va être un peu dur de les tourner. Ils tourneront pas. Plus ardu, hein? Plus périlleux, plus moins efficace. Plus difficile. Plus difficile en soi, plus tough. Cette semaine, au truc de la semaine, Étienne? Cette semaine, au truc de la semaine, très simple. Quand on est dans les bords de piste où on fait de la neige comme de la poudreuse, important de crier pour montrer à tout le monde à quel point c'est agréable et ça va vous rajouter un petit peu de plaisir. Une petite démo? Une petite démo, maintenant. Oh wow, c'était la marmotte, hein? Oh, les sensations fortes. On vous le recommande. En conclusion, Boris, si vous suivez les petits trucs qu'on vous a donnés, ça va vous permettre d'apprécier toutes les journées de poudreuse comme celles qu'on a eues aujourd'hui. Boris? Aimez, partagez. Facebook. Instagram. Instagram. Facebook. Et taguez vos amis. Oui, oui, taguez. Oui, on connaît tous quelqu'un qui est comme pas trop bon en ski. Taguez-le, qui écoute nos capsules, ça va l'aider, il va devenir bien meilleur. Sur ce, on vous souhaite bonne semaine et bon virage. Hey!